Ouais, survivant, bienvenue sur VLFR.gaming. Bon, on se retrouve aujourd'hui, vidéo enfin, pour les états qu'il avait pas, on se retrouve enfin avec notre skin event de l'été. Donc voilà, je vous avais déjà fait une première vidéo sur l'état 1, on en avait vu un petit peu avec Benny en live. Donc voilà, là on le retrouve sur notre état à nous. Donc là, on se retrouve avec notre truc, par contre, mauvaise nouvelle. Là, je viens de faire. On va faire le test tout de suite. J'en ai zéro. Je vais utiliser 12 heures. Normalement, je suis censé en récupérer 12 directement. Et là, j'en récupère plus que 6. Donc là, ils ont vraiment baissé le taux de drop par rapport aux accélérateurs. Et c'est la même chose pour les biocaps. On est passé de 1 pour 2000. Alors qu'au début, on était de 1 pour 1000. Donc, j'ai pris uniquement le premier pack pour l'instant avec le cadre et les cendres. Donc c'est juste pour avoir le cadre parce que j'ai pas mal d'accélérateurs et bon, j'avais pas prévu le taux de drop qui double, mais enfin qui divise par deux. Mais normalement je devrais avoir assez pour finir dans le top 10. Donc on se retrouve toujours à la même chose avec nos petits skins habituels, nos skin events habituels. Avec nos petits classements, pareil, je vais aller prendre les caisses, je vous montrerai tout ça dans la vidéo de fin. On se retrouve avec notre classement juste de notre état, avec un classement pour le top 10. Comme je vous ai montré sur le stat 1, c'est la même chose. On se retrouve avec juste un seul skin. Le premier skin top 1 est le même pour le top 10. Donc, bah, vous me connaissez, hein, moi le top 1 ça m'intéresse pas, les biocaps je m'en fiche, un top 10 ça me suffit, donc c'est pour ça que je vous dis, pour l'instant j'ai pas encore pris les packs, d'une parce que je pense que j'ai pas forcément besoin, je pense qu'avec les accélérateurs ça devrait suffire, et de deux, le skin de déploiement, honnêtement, suis pas vraiment fan, donc bref. On va se mettre le skin QG, on a pris un petit peu, on va mettre celui de 3 jours, comme ça on va faire l'inscription à la bêta. Donc voilà, il est pas dégueulasse. Honnêtement, il est vraiment pas dégueulasse. J'apprécie énormément, il est vraiment sympa avec le toboggan, etc. Mais voilà, mais ça vaut pas. On reste sur le skin motard, hein. Je suis pas prêt de changer, ça, vous avez, je pense que vous l'avez compris. Donc on va revenir avec notre petit skin. Mais voilà, vraiment skin super sympa. On va attendre. Pour voir dans tous les cas, j'ai les kits de bataille à prendre cette semaine, donc dans tous les cas, je vais le débloquer. C'est pour ça que je vous dis, je vous le montrerai en fin de vidéo d'event parce que dans tous les cas, je vais le prendre. J'ai les kits de bataille donc obligatoirement, ça va me le débloquer. Mais voilà, à ce qui paraît, il est pas si beau que ça, donc on verra. Ensuite, on se retrouve sur notre skin event habituel, comme je vous l'ai dit. Là, on a notre petit. Skin de petit soft pour récupérer les fragments légendaires. Donc premier jour comme d'habitude. Les recherches épiques et les héros. Ici au niveau des règles, vous avez votre, parce que ça change en fonction des états. Donc vous avez votre programme à vous sur votre semaine. Donc là où moi ça va vraiment cartonner, ça va être quand? C'est vrai, à chaque fois je zappe Skin Event, si j'ai pas de jour, je pourrais accélérer aujourd'hui. Je pourrais accélérer aujourd'hui, mais ouais, je crois que même on va le faire aujourd'hui. On va attendre que le Gov il se réveille. Ah, le gouverneur dort, ouais. On va attendre que le gouverneur lance le boost d'état, me donne le buff patriote, et puis on va accélérer ça aujourd'hui. On va accélérer, on va prendre. On va pas oublier, ouais, voilà. Reset. 5, c'est trop. Moi, c'est l'autre. Là, pareil, on revient ici. Donc voilà, ça va être ça toute la journée. Accélérateur, accélérateur, accélérateur. Je m'ennuie même pas. Normalement, là, je devrais mettre 2 heures, mais dans tous les cas, je sais que je vais devoir tout utiliser. Donc, on est parti. Et on va faire ça. Toute la journée, accélérer des troupes, accélérer des troupes. Hop, et voilà. On est reparti, il faut pas oublier de les prendre. Parce que on a le classement Migo, c'est super important. Les 9500 points là, c'est tendu. Hop, on est reparti. Et puis, et voilà. Ah, encore un, c'était 30 heures. 180, c'est 30 heures. Hop.
défi. Voilà. Ensuite, sur notre skin event, donc on va utiliser beaucoup d'accélérateurs aujourd'hui, je pense. On va voir, on va essayer de caler ça aussi pour essayer de faire des points quand est-ce. Alors, recherche avancée, on va l'utiliser. Consommer des biocaps, jour 3. Démon, c'est bon. Il faut que je garde des accélérateurs pour le jour 5. Ok. Recherche épique. Et recherche épique pour jour 6 et jour 7. C'est bon, on est bien. Il faut 70 recherches épiques. Donc là, je peux refaire encore un jour tranquille. Et avec l'autre jour, je le ferai avec les recherches avancées. Donc c'est bon, tranquille. Je peux cramer tous les accélérateurs aujourd'hui. C'est ce qu'on va faire. On va juste attendre le boost d'état, le patriote, et on va tout faire. Après, marchand. Non, on va faire notre petit calendrier comme d'habitude. On va récupérer les appâts. Et on doit avoir une petite décoration, non? Ah, voilà, citadelle de sable. On verra ça pareil. Tout ça, je vous montrerai dans la dernière vidéo. Là, c'est pareil. Attendez, jour 2, les accélérateurs d'entraînement, de laboratoire de recherche, les recherches épiques, etc. Donc, attendez bien chaque jour. Ici, hop, on se retrouve comme d'habitude. Et là, je vous dis, ça, c'est mauvais, ça. Ça, c'est mauvais qu'ils nous aient augmenté le taux de drop. Ils rajoutent des packs, ils augmentent le taux, ils réduisent le taux de drop. Ah là là, ils veulent vraiment qu'on paye, hein. Ils veulent vraiment qu'on paye. Et puis bon, voilà. Le plus important, le plus intéressant à ne jamais laisser passer pendant les skin events, c'est ces fucking héros. Fucking boss, fucking monstre zombie. Donc, on y va. Tous pareil, peu importe votre niveau. Mike. Alors, ou Madi. Moi, je préfère utiliser Mio. Madi, Mio et hop, H. Et là, normalement, on va le tuer en une seule fois. On va voir ce que ça donne. Mais normalement, hop, mode normal. Et on le laisse venir. Fin. Et là, normalement, ça devrait se faire tranquillement. On va voir 45 secondes. Normalement, on le tue direct. Et ceux qui n'ont pas le niveau pour le tuer direct, c'est avec cette team-là. Ou alors Mazi. Où vous allez faire le plus de dégâts. Tout simplement. Et ouais, normalement, ça devrait le faire. Quoique. Si, ça devrait le faire 5 secondes. Et voilà. Paf. Terminé. Même si H, elle meurt, c'est pas grave. On le termine en une seule fois. Enfin. Et puis là, on va le relancer une deuxième fois. On va voir ce que ça donne. Hop. Avec Maggie. Souvent, on me dit. Ah. Dons d'alliance, on va aller faire des dons d'alliance. Tu me donnes une boule de glace ou pas? Non? T'es sérieux? Tu me donnes pas de boule de glace là? Ouais, non, t'abuses quand même. Ah! Ah non, c'est un avra qui m'a donné. Ah si, boule de glace. Voilà. Donc, on va aller voir ce que ça donne. Donc. Avec Madi, parce que souvent en commentaire, vous me dites, moi j'utilise Madi, moi j'utilise Madi. Et honnêtement, je suis pas fan. On va voir ce que ça donne. On va terminer la vidéo sur ça. Alors, on va voir ce que ça donne. On va quand même lancer, je pense. Quoique, on va voir. Ouais, non, 30 secondes, on est à 60%. Non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Voilà. Il y a une grosse différence quand même. Hein. Ah oui, une belle différence avec Mio. On la voit bien la différence. Hein. Mais voilà, mais bon, je pense que vous faites quand même encore un score sympathique. Donc voilà, on a tout fait. Ouais, il reste 5 points. Là, il y en a un qui va devoir aller le faire juste pour cramer 5 points. C'est dommage. C'est dommage. Heureusement, il y en a un qui l'avait pris en même temps, ça a été éliminé. Donc voilà, et on va voir les récompenses. Donc ça, c'est quand on élimine, quand on le termine. Et voilà, les 9 appâts, les 2. Et c'est ça. Honnêtement, c'est le plus important. C'est ça. Il n'y a pas à chipoter ça là. En un skin event, vous pouvez passer un niveau facile. Vous en récupérez, c'est voilà, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000. Donc sur 3 jours. Je sais pas combien on peut faire de démons. Faudrait que je compte. Là, j'en ai déjà fait 3.
C'est ça, hein? Deux ou trois. Là, j'en ai déjà fait deux. Je vais essayer de compter combien on peut en faire sans bloquer. Mais vous récupérez énormément et c'est le plus important, l'XP du chef pour augmenter votre chef. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous aura aidé. Et puis nous, on se retrouve en fin de semaine, fin de skin events. On verra si on arrive à faire un petit top sympathique. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!